bien bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Effectivement, on est dans une année qui est différente de la précédente, comme à chaque fois. Et l'année passée, l'environnement était particulièrement difficile, mais nous avions un sentiment très positif sur la progression des places boursières. Cette fois-ci, on va le voir, les choses sont peut-être un petit peu différentes. Et surtout, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ce sont les banques centrales qui sont les plus actives et qui mènent le bal. On a d'ailleurs parlé de politique illimitée de ces banques centrales, puisqu'elles ont des fonds à disposition en illimité. Et donc je me suis dit que peut-être les perspectives de cette année allaient être aussi illimitées. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas, mais beaucoup dépendra de cette volonté d'aller jusqu'à l'illimité, voire au-delà, comme dit Buzz l'éclair. Alors, le programme, différents points, comme toujours, j'aimerais vous montrer quand même que quelques éléments ont changé depuis 12 mois, que l'Europe fait des choses, mais qu'elle doit absolument se concentrer sur sa compétitivité. On parlera de la France et de l'Italie. Il faudra bien parler aussi de l'Amérique, puisqu'en fin d'année, on a une élection présidentielle. Il faudra parler de la Chine également, continuer de parler de la Chine, qui est dans sa phase de décroissance. Juste deux mots sur l'Afrique, vous verrez des choses assez étonnantes. Un mot sur la Suisse, puisqu'évidemment, nous sommes en Suisse et que la Suisse n'est pas isolée du reste du monde. Pour finir, comme d'habitude, par quelques conclusions d'investissement. Premier élément, on a déjà parlé au début, c'est vrai que ces banques centrales ont été très actives et on le voit avec ce graphique qui montre l'évolution du bilan des banques centrales. Cela a commencé avec la banque centrale américaine, c'est cette courbe orange, on voit ce bilan qui grandit depuis 2008, cette banque centrale qui a acheté beaucoup de titres hypothécaires et pour rétablir ce marché immobilier. Puis ça a suivi maintenant depuis une année avec la banque centrale européenne, c'est la courbe verte. Vous voyez que cette Banque Centrale Européenne achète également maintenant des obligations espagnoles, italiennes, elle a aussi beaucoup d'obligations grecques, tout ça pour garder les taux d'intérêt bas et essayer de refaire fonctionner le système de crédit. Tout en bas du graphique, ça paraît très très faible, mais c'est bel et bien le bilan de la Banque Nationale Suisse qui est comparé à la Banque Centrale Européenne Américaine très petit, mais évidemment par rapport à la taille de notre économie qui est très très important. Donc ces banques centrales font des bonnes choses, elles sont actives, elles essayent de rétablir le crédit. Et puis, deuxième élément qui va normalement plutôt dans le bon sens, c'est qu'on a quand même des gouvernements qui ont tenté de diminuer leur déficit budgétaire. Alors sur ce graphique, vous voyez l'évolution des déficits budgétaires en pourcentage du produit intérieur brut. Et vous voyez que depuis 2009, toutes ces courbes ont tendance à remonter plus ou moins tranquillement. Vous voyez surtout la courbe bleue, l'Italie, où elle fait un bel effort pour réduire son déficit. De même, l'Espagne, très bel effort pour réduire le déficit. Noterez quand même tout en bas de ce graphique l'Amérique qui fait très très peu d'efforts pour réduire son déficit budgétaire. On a donc déjà là deux politiques différentes entre l'Europe et les États-Unis. La conséquence de ce mélange d'activisme de banque centrale et de politique budgétaire un peu restrictive, c'est qu'on a des croissances économiques qui sont quand même bien différenciées. Voilà sur la courbe orange, la croissance de l'économie américaine depuis 2009, en base 100, et puis la courbe noire, la croissance de la zone euro. Vous voyez donc ce décalage important. L'Amérique a réussi quand même à stimuler sa croissance économique, alors que la zone euro est en panne. Si on se penche un peu en détail sur la zone euro, la vision est un tout petit peu différente. Vous voyez une courbe verte qui monte beaucoup, ça c'est la croissance allemande, qui est même supérieure à la croissance américaine. En revanche, vous voyez ces courbes qui baissent, la noire et l'orange, ce sont les économies espagnoles et italiennes qui, elles, à cause de ces politiques budgétaires très restrictives, n'ont plus de croissance et sont en récession. On voit même que leur produit intérieur brut est même plus bas qu'avant 2009. On voit donc que les conséquences économiques sont difficiles à évaluer, que les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes dans les différents continents, mais on n'aboutit pas à un résultat satisfaisant partout. Et surtout, finalement, personne n'a réussi à réduire son endettement public. Voilà le graphique de l'endettement public de ces mêmes nations en pourcentage du produit intérieur brut. Et vous voyez que toutes ces courbes progressent ou sont stables. En particulier cette courbe orange, la courbe américaine, on n'en parle plus beaucoup, mais cette dette américaine continue de progresser au même rythme que la dette française, au même rythme que la dette espagnole. Le seul pays surendetté qui a réussi quand même à faire quelque chose, c'est l'Italie. Certes, très endettée, puisqu'elle est tout en haut du classement, avec une dette très 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 importante, mais cette dette est stabilisée dorénavant dans ce pays. Alors, c'est très important, pourquoi ? Parce que derrière l'endettement, il faut toujours se rappeler qu'il y a des dépenses qui sont les intérêts qu'on paye. Et les sommes sont absolument colossales. Et je trouvais intéressant de vous rappeler ces deux chiffres. L'Amérique dépense chaque année en intérêts 250 milliards de dollars et la zone européenne dépense à peu près chaque année 350 milliards d'intérêts sur
sa dette. Ce sont des sommes absolument gigantesques. Sur la zone euro, 350 milliards, ça correspondrait grosso modo à une année de croissance du produit intérieur brut à 2 ou 3% de croissance. Donc on gaspille chaque année, dans la zone euro, une année de croissance. Rapporté au budget de ces mêmes régions, c'est encore plus intéressant. Ces mêmes sommes représentent dans les deux cas entre 30 et 40% des sommes que les États allouent aux dépenses de santé. On voit donc tout de suite qu'il y a une mauvaise allocation des ressources, que ces États dépensent beaucoup d'argent en intérêts, alors que les budgets de santé sont souvent en déficit et qu'ils mériteraient d'avoir un peu plus de ressources. La question, évidemment, on l'a vu au début, comment va-t-on faire pour réduire cette équation, enfin résoudre ce problème et diminuer l'endettement? Et on revient sur cette question de départ, faut-il de la croissance ou plutôt de l'austérité budgétaire? Malheureusement, on a de la peine à avoir une réponse très très claire. Si on commence par l'Europe, on se dit qu'il faudrait bien qu'il y ait de la croissance. Mais quelle croissance? Voilà l'évolution en orange de la croissance économique de la zone euro. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, on est de nouveau à 0%, on est en stagnation. Et la courbe noire qui préfigure de l'évolution de la croissance économique européenne, elle a nettement diminué ces derniers temps. Elle indique donc que la croissance de la zone euro va rester probablement négative d'ici la fin de l'année et qu'il y a très peu de chances qu'elle reparte dans les prochains trimestres. À noter que cet indicateur, ce sont les petits ronds rouges, vous montre qu'aujourd'hui, la confiance dans la zone euro est même inférieure à celle qu'on trouvait juste après la faillite de Lehman Brothers. Ça montre bien l'ampleur du problème et de la difficulté à stimuler des investisseurs, des consommateurs, voire des exportateurs qui sont confrontés à un environnement qui est bien difficile. On imagine donc que la croissance l'année prochaine dans la zone euro ne dépassera pas les 1% si tout va bien et qu'on risque encore pas quelques trimestres de stagnation. Alors si on ne peut pas avoir de croissance pour résoudre ce problème d'endettement et ces paiements d'intérêt, il faut quand même se pencher sur le problème de la rigueur budgétaire. Alors première question, c'est est-ce que l'Europe est capable de gérer ses taux d'intérêt sur sa dette? Sur ce graphique, vous voyez ici donc différents pays avec chaque fois le montant que les intérêts représentent en pourcentage du produit intérieur brut. On en a déjà parlé, mais vous voyez que l'Italie, avec une très grande dette, chaque année, ses intérêts représentent 5% de son produit intérieur brut. Et puis en bas, vous voyez l'Amérique, où ça ne représente que 2%. L'Amérique a réussi à maintenir ses taux d'intérêt très très bas, et c'est pour ça qu'elle paye moins d'intérêts. Alors, la question que je me suis posée, c'est si l'Europe payait le même montant, en fait, le même taux d'intérêt que l'Amérique, qu'est-ce que ça donnerait? Et bien, dans ce cas-là, l'Europe pourrait économiser chaque année 60 milliards d'euros, soit à peu près 0,6% de son produit intérieur brut. Il y a donc un vrai intérêt, c'est le cas de le dire, à faire baisser ses taux d'intérêt sur cette dette, parce que chaque fois que vous faites baisser ses taux d'intérêt, vous économisez de l'argent et vous renforcez votre croissance économique. Voilà pourquoi l'Europe a mis en place maintenant depuis 12 mois, elle y arrive tranquillement, mais elle y arrive, ce fameux MES, instrument de stabilité en Europe, cumulé avec une banque centrale européenne qui a décidé d'acheter des obligations pour faire baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est l'activité des banques centrales qui permet de maintenir les taux d'intérêt très bas. Et c'est ce qu'a fait la banque centrale américaine maintenant depuis 2 ans. Mais il faut quand même faire de l'austérité, parce qu'on ne peut pas simplement maintenir les taux d'intérêt très bas avec une banque centrale, il faut réduire les dépenses des États. Alors, c'est important parce que ça a des mérites, la politique d'austérité. Et je voulais juste rappeler quand même les bénéfices d'une politique d'austérité. On entend beaucoup aujourd'hui dire qu'il ne faut pas de politique d'austérité, il faut de la croissance. Mais on n'a pas de croissance, donc il faut quand même faire de l'austérité. Alors, l'austérité, c'est quoi? L'austérité, il y a deux conséquences. La première, d'habitude, quand un État fait une politique d'austérité, ça aboutit à une baisse de la croissance et surtout une baisse de la consommation. On coupe les subventions, on coupe les dépenses publiques, et ainsi de suite. Bref, la croissance diminue. Ça, c'est le côté négatif, c'est la face sombre de l'austérité. Il y a un côté positif également, c'est que si on pratique bien l'austérité et que les citoyens et les investisseurs font confiance, l'endettement diminue et les taux d'intérêt qu'on demande sur cet endettement a tendance à diminuer également. Alors je me suis dit, en fait, ça veut dire quoi une austérité forte pour la zone euro? On regarde par exemple ce qui s'est passé dans l'année 2009. 2009, c'est une année catastrophique, très profonde, crise économique. En cette année-là, la consommation a diminué de 40 milliards d'euros. C'est une somme importante, ça n'était jamais arrivé dans cette zone européenne. Alors je me suis dit, ça représente quoi en fait, 40 milliards de baisse en termes de taux d'intérêt qu'on paye sur la dette? Il suffirait, dans la zone euro, que le taux moyen que la zone euro paye sur sa dette passe de 2,6% à 2,3% pour compenser ces 40 milliards. On voit donc tout l'intérêt de la politique d'austérité. Certes, c'est pénible à court terme, ça fait baisser la consommation, mais à long terme, ça fait baisser l'endettement et ça fait baisser les charges financières.
L'Europe doit donc mener des politiques d'austérité conjointement à l'activité des banques centrales. Alors, par quoi on commence? Évidemment, c'est compliqué. Les charges de fonctionnement des États, intéressant à suivre. Sur ce graphique, vous voyez une ribambelle de pays européens, plus la Suisse, tout à droite. Vous voyez que les dépenses de fonctionnement, hein, donc c'est qu'est-ce qu'on paye les personnes principalement, donc les fonctionnaires, pour faire fonctionner les institutions publiques. Alors tout à droite, la Suisse, vous voyez que on ne paye pas trop par rapport aux autres pays. Les dépenses pour faire fonctionner l'État représentent moins de 15% du produit intérieur brut. Un peu comme en Allemagne. Tiens, c'est quand même curieux, ce sont deux États qui ont une stabilité budgétaire. En revanche, les autres pays, qui sont les bâtons orange, qui montent fortement, il y a différents groupes qui sont très mal placés. Et on retrouve dans le carré noir, évidemment, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui payent beaucoup, certainement trop, leurs fonctionnaires, ou qui ont trop de fonctionnaires pour faire fonctionner l'État. Alors, ces pays-là, ça, les sommes représentent 20% du produit intérieur brut, contre à peu près 15% contre la Suisse ou l'Allemagne. On se dit, c'est pas grand-chose, en fait, 5% de différence. Mais c'est 5% du produit intérieur brut. On a de la peine à générer une croissance de plus de 2% en Europe. Alors que là, ces pays dépensent 5% de plus que la Suisse ou l'Allemagne. Et donc, des économies fabuleuses à faire ici pour retrouver de la croissance économique. Deuxième élément qui est évidemment très important, dont on parle, très délicat à couper, mais ce sont les budgets sociaux. Alors ici aussi, je vous montre différents pays avec les bâtons orange, ce sont les dépenses de sécurité sociale exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, et les petits bâtons noirs, ce sont les dépenses de santé. Alors la Suisse et les États-Unis, cette fois-ci, on les retrouve tout en haut du graphique, où la somme de ces dépenses de santé et de sécurité sociale représente maximum 15% du produit intérieur brut. Ce sont les bons élèves de la classe, en l'occurrence. Quand on descend dans le graphique, on trouve ceux qui payent un peu plus, c'est essentiellement les pays de l'Est qui ont rejoint l'Europe. Et puis en fin de classement, malheureusement, on trouve évidemment la France, qui consacre presque 35% de son produit intérieur brut dans ses dépenses de santé et de sécurité sociale. On voit très bien là la disparité importante qui est entre les États, et comme par hasard, donc les États qui sont en bas de son classement sont les États qui ont un déficit budgétaire et qui ont une difficulté à rembourser leurs dettes. Premier point, c'était donc cette réduction budgétaire qu'il faut mener dans cette Europe pour pouvoir redevenir un peu compétitif en termes de charges financières sur les États. Deuxième point important qui est nécessaire pour l'Europe, c'est de retrouver une compétitivité du travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire, retrouver de la compétitivité du travail? Ça veut dire pouvoir produire moins cher que les autres. Alors sur ce tableau, vous avez différents pays avec des bâtons qui représentent en fait le salaire horaire en dollars moyen qu'on trouve dans une industrie manufacturière. Par exemple, sur la flèche rouge non pointillée, vous avez le salaire horaire d'un ouvrier américain, à peu près $35 de l'heure. Au-dessus, la France, l'Allemagne et la Suisse. Mais mettons la Suisse de côté. La France, évidemment, donc un salaire horaire supérieur aux États-Unis, et ça signifie qu'une entreprise qui voudrait créer des emplois va d'abord aller à un endroit où c'est moins cher pour produire. Donc la France n'entre pas en considération. Et le nord de l'Europe va devoir s'adapter. En revanche, et ça c'est quand même le côté positif, mais il faut que l'Europe se penche sur ce sujet, comment réorganiser la distribution du travail à l'intérieur de la zone européenne, puisqu'on trouve plus bas que les États-Unis, moins cher que les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, bref, les fameux pays qui ont des problèmes aujourd'hui. Alors là, ici, on a peut-être un message d'espoir, pour autant que l'Europe sache réorganiser ce travail, déplacer du travail du nord vers le sud, pour produire des choses peut-être pas à grande valeur ajoutée, mais au moins donner du travail aux populations qui sont dans ces pays. Et troisième point qui est encore plus intéressant, dont on ne parle pas beaucoup, c'est la fameuse compétitivité énergétique. Alors sur ce graphique, vous voyez ici, donc les bâtons représentent la consommation de gaz, le bâton de gauche c'est l'Amérique, le bâton de droite c'est l'Europe, en volume. L'Amérique consomme évidemment plus de gaz que la zone européenne. Quand on regarde ce que ça coûte, le total de cette consommation, étonnant, l'Amérique paye nettement moins cher que la zone européenne. Pourquoi ? La raison, elle est là, c'est que l'Amérique n'est pas restée sans rien faire depuis 5 ans. Elle a investi pour augmenter ses capacités de production dans le domaine du pétrole et surtout, elle a augmenté sa production de gaz et en particulier de gaz de schiste. Elle a donc aujourd'hui des capacités de production et des coûts de production qui sont inférieurs en Amérique qu'en Europe. Et ça, c'est un élément fondamental de la compétitivité pour une entreprise. Quand vous payez votre gaz pour produire, plus vous le payez cher, moins vous êtes compétitif. Alors à nouveau, je me suis posé la question, si l'Europe payait le gaz au même prix que l'Amérique, par quoi ça se traduirait? Ça se traduirait par une économie de 150 milliards d'euros par an, soit de nouveau l'équivalent de 1% de croissance annuelle.
On voit donc que la zone euro a raté le virage énergétique jusqu'à présent et qu'elle perd, en relation avec l'Amérique, 1% de croissance par an parce qu'elle paye ce gaz et son énergie beaucoup plus cher. Alors, on a fait le tour sur l'Europe. Je voulais me concentrer un petit peu sur la France et l'Italie, puisque peut-être, vous l'avez-vous observé ces derniers mois, les taux d'intérêt que la France paye sur sa dette sont proches de zéro. Sur ce graphique, vous voyez les taux d'intérêt de la dette de trois États, l'Italie en noir, la France en vert, l'Allemagne en orange, sur une échéance de 3 ans. Voilà donc ces deux États, France et Allemagne, qui aujourd'hui peuvent se financer quasiment à 0%. Et puis cette Italie qui doit, elle, payer très cher, ou plus cher, un peu moins cher aujourd'hui, mais plus cher que les autres, du fait de son endettement public plus élevé. Alors, est-ce normal ? Alors d'abord, la France a un côté à nouveau lumineux, on va dire un côté allemand. Quand on voit ici, sur ce graphique, l'endettement public. On voit l'endettement public de la France et de l'Allemagne, ces deux lignes du bas, la verte et la noire. Très peu de différence finalement dans la progression d'endettement public, si ce n'est depuis une année, où la France a l'air de s'enfoncer un peu et l'Allemagne a l'air de se stabiliser. Mais évidemment, l'Italie a un endettement beaucoup plus élevé qu'on l'a vu. C'est donc logique que l'Italie paye des taux d'intérêt plus importants, plus élevés que la France. Si on regarde la croissance économique de ces trois pays, là aussi, vous voyez que l'Italie, la courbe orange, a une croissance économique qui est plus basse et inférieure de celle de l'Allemagne et de la France. Même aujourd'hui, la croissance est négative en Italie. Donc oui, de ce point de vue, la France a un côté allemand par rapport à l'Italie. Elle se comporte mieux. Mais la France a un côté sombre également, qui fait qu'elle a un côté italien. Si on regarde le solde commercial, donc la différence entre les exportations et les importations, qu'est-ce qu'on constate ? Évidemment, l'Allemagne, un peu comme la Suisse, est championne des exportations. Elle vend plus de produits à l'extérieur qu'elle n'en importe, ce qui dégage un excédent commercial. En revanche, les deux courbes du bas, la France et l'Italie, vous voyez qu'elles sont en déficit commercial depuis de nombreuses années. Donc elles importent plus de produits qu'elles n'exportent. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas compétitives, leur coût du travail est trop élevé, etc., etc. Donc oui, la France ressemble à l'Italie ici. Et puis dernier graphique, encore plus inquiétant, vous avez ici, on a parlé du déficit budgétaire précédemment, qui comprenait toutes les charges de l'État. Sur ce graphique, je vous montre le déficit budgétaire de ces trois États, mais sans les charges d'intérêt liées à la dette. Donc c'est juste pour voir si un État est capable de balancer ses recettes et ses dépenses courantes. Alors, quand la courbe est positive du côté en haut, comme c'est le cas pour l'Italie en orange et l'Allemagne, ça veut dire que l'État finalement gère bien son budget. Il se trouve que l'Italie gère très bien son budget, mais que comme elle a une dette, elle a un déficit budgétaire qui est dû aux intérêts. Mais si on enlève les intérêts, elle n'a pas de déficit budgétaire, elle a un excédent. Le problème de la France, c'est la courbe noire. Vous voyez que même la France, quand on enlève la charge des intérêts, elle reste dans le rouge. Elle est donc totalement incapable de faire matcher, comme on dit, ses recettes fiscales avec ses dépenses. Et là, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que la France a un côté italien qui est un petit peu sombre sur la dette, sur le paiement d'intérêts et sur sa situation générale, et qui fait que ça paraît difficile de justifier aujourd'hui que la France paye aussi peu de taux d'intérêt sur sa dette. Il est donc probable que la France a beaucoup bénéficié ces derniers mois des craintes qu'on pouvait avoir sur la situation italienne et que les investisseurs se sont reportés un peu sur la France par défaut, mais qu'aujourd'hui, comme la dette italienne est pratiquement, entre guillemets, sauvée, en tout cas aidée par la Banque Centrale Européenne et par ces fameux fonds MES, on peut acheter de la dette italienne avec beaucoup moins de risques qu'auparavant. Donc il est probable que beaucoup d'investisseurs qui ont acheté de la dette française vont se reporter sur la dette italienne et qu'on va avoir une remontée des taux d'intérêt sur la France. Alors ça va être évidemment un passage difficile pour la France, surtout dans un environnement où elle a de la peine à montrer qu'elle est capable de gérer son endettement et son déficit budgétaire. Alors on a parlé de l'Europe, il faut quand même parler des États-Unis. Alors je titrerai ça « Après la falaise, la plage » parce que on parle de falaise fiscale aux États-Unis. Vous savez que l'Amérique, confrontée à son endettement, a mis en place des mécanismes, on va dire, presque automatiques qui font que si le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord pour baisser les dépenses ou monter les recettes, il y a des coupes automatiques qui arrivent dans le budget et des hausses de recettes automatiques. Et c'est ce qu'on appelle la falaise fiscale. Si ça se produit au début de l'année prochaine, automatiquement, comme c'est énoncé, la croissance américaine va chuter de 1 à 2%. Donc on aura une récession. D'où cette inquiétude sur la capacité du nouveau président américain à mettre tout le monde d'accord pour s'attaquer à ce problème de déficit budgétaire qui est très important aux États-Unis également, comme on va le voir. Alors, aux États-Unis, c'est surprenant, mais il faut vraiment s'en rappeler. Déficit budgétaire, ce n'est pas parce qu'on a financé ou sauvé des banques, c'est parce que c'est devenu un état social aussi. Alors, on est pour, on est contre, mais il faut le voir. Voici ici l'évolution des dépenses, deux courbes de santé américaines, Medicare plus Medicaid, et puis les dépenses militaires, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.
Alors, la nouveauté, vous voyez que maintenant, depuis quelques années, on dépense plus d'argent dans le domaine de la santé, l'État dépense plus d'argent dans le domaine de santé que dans les dépenses militaires. C'est quand même assez incroyable, ça arrive extrêmement rarement dans l'histoire américaine, mais l'Amérique a changé et les plans de soutien, disons, aux gens qui ont besoin d'aide sociale se développent et semblent inarrêtables également. Alors, quand on regarde l'évolution du déficit budgétaire américain, que l'on voit ici, vous voyez l'évolution de ces dépenses de l'État américain, c'est la courbe noire, et l'évolution des recettes, la courbe orange. Vous voyez que cette croissance économique que l'Amérique a pu recréer a permis à cette courbe orange de remonter, donc de régénérer des recettes fiscales. Malheureusement, bah, personne n'était dans le navire pour dire qu'il faut couper les dépenses aux États-Unis. Et donc, l'écart entre ces deux courbes est devenu gigantesque, et c'est ce qui produit ce déficit budgétaire le plus grand en pourcentage du produit intérieur brut parmi tous les pays industrialisés. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette falaise fiscale. Qu'est-ce qui se passerait, en fait, si ces mécanismes automatiques venaient à se mettre en place? Est-ce que ça permettrait de compenser cet écart entre la courbe noire et la courbe orange? Alors, je vais vous mettre un point rouge. Comment évolueraient les recettes fiscales si ce mécanisme se mettait en place? Ben voilà, on augmenterait les recettes fiscales, finalement, de pas grand-chose. Donc, on voit bien que le fond du débat aux États-Unis n'est pas cette falaise fiscale et, finalement, ces coupes ou ces recettes automatiques, c'est qu'il va falloir discuter profondément et sérieusement de quel État on a envie aux États-Unis. Est-ce qu'on veut encore progresser dans le domaine social ou au contraire, est-ce qu'on veut augmenter les impôts? C'est vraiment la question importante qui se pose en Amérique. Alors, dans cet environnement, évidemment que tout le monde est en attente aux États-Unis et c'est pour ça que la croissance, elle, aussi ralentit pas mal ces temps en Amérique. Cet indicateur montre simplement le sentiment sur la croissance économique. Et vous voyez que le petit rond rouge aujourd'hui montre bien qu'il y a une espèce de stagnation qui se manifeste. Les investisseurs attendent d'investir, puisqu'on ne sait pas qui sera le président, on ne sait pas quelle politique économique, on ne sait pas quelle politique fiscale il y aura. Mais néanmoins, on est quand même mieux qu'en Europe, parce que par rapport à la crise de 2008, on a un sentiment qui reste un peu plus solide, néanmoins, que dans la zone européenne. Alors, il y a malgré tout un point très positif aux États-Unis. C'est dommage qu'il soit si petit aujourd'hui, mais il est là, c'est l'immobilier. Alors, d'abord, vous faire montrer l'évolution du secteur de l'investissement résidentiel aux États-Unis, exprimé en pourcentage de la taille de l'économie. Vous voyez qu'avant la crise de 2007, c'était un secteur très important qui représentait presque 7% de l'économie nationale. Puis la crise immobilière est venue et aujourd'hui, ça ne représente plus que 2%. Donc c'est vraiment microscopique et ce n'est pas ce secteur-là qui va relancer l'économie. Mais néanmoins, c'est une lumière qui s'est allumée car voilà, ici, l'évolution du prix des maisons individuelles. Vous voyez donc que depuis maintenant quelques mois, le prix des maisons est en train de redémarrer. Et ça, évidemment que c'est positif, parce que quand le prix des maisons progresse, vous avez immédiatement des gens qui ont envie d'investir et construire de nouvelles maisons. Donc on a là un point très intéressant sur l'économie américaine qui change la donne complètement, en tout cas celle que l'on connaissait depuis la crise de 2007. Alors oui, bah, l'Europe et les États-Unis doivent se désendetter, je vous l'ai passablement expliqué, mais j'aimerais juste vous montrer encore une chose pour bien clarifier et dire que ce n'est pas tout à fait la même situation en Europe, aux États-Unis. Alors, je vous allez voir sur le graphique de gauche les dépenses gouvernementales en pourcentage du PIB et sur le graphique de droite les recettes fiscales que ces États obtiennent. On va commencer par la France. Et donc, la France, bah, elle a des dépenses qui représentent aujourd'hui 55% de son produit intérieur brut. C'est le record des pays industrialisés. Et puis, du côté de ses recettes, bah, malheureusement, les recettes atteignent tout juste les 52%. Donc, malgré des recettes fiscales très élevées par rapport à la taille de son économie, eh bien, elle a quand même un déficit. C'est bien la preuve que la France doit couper dans ses dépenses. Elle ne peut pas faire monter cette courbe noire et faire monter les recettes fiscales. C'est impossible. Elle est déjà tout en haut. Alors, on va aller vite sur les autres courbes, Italie, Allemagne, mais la plus intéressante pour comparer, c'est l'Amérique. Vous voyez que l'Amérique a des recettes, des dépenses gouvernementales qui sont de l'ordre de 40% du produit intérieur brut, donc nettement moins que la France, l'Italie, l'Allemagne. Ce n'est pas un État qui consomme beaucoup d'argent relativement à l'Europe. Mais elle a un problème de recettes, elle, parce que ses recettes ne représentent que 32% de son produit intérieur brut. Donc elle n'a pas la même problématique que la France. Elle dépense beaucoup, mais elle a des recettes qui ne sont pas très élevées. On pourra dire qu'elle a peut-être de la marge de manœuvre. Elle peut monter les taxes, peut-être, si elle veut compenser son déficit par la montée des impôts, si elle ne veut pas le faire par la baisse des dépenses. Donc on a deux zones qui ont les mêmes problématiques, mais qui vont devoir les résoudre par des angles absolument différents. Alors, passons un petit peu à la Chine pour voir qu'est-ce qui se passe du côté chinois. Ben, on a déjà mentionné, la Chine ralentit, mais le ralentissement est quand même assez fort. Voilà l'évolution de la croissance économique chinoise
On a aujourd'hui un rythme de l'ordre de 7 à 7,5% annuel, officiellement. Et c'est inquiétant parce que bah, il n'est pas très loin du rythme que la Chine a connu en fin 2008, début 2009, hein, lors de la plus grande crise qu'on a connue maintenant depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça montre bien que cette Chine n'arrive pas à redémarrer et qu'au contraire, peut-être, elle essaye de ralentir volontairement, mais que ce n'est pas facile à organiser. Donc, ce qui paraît clair et inévitable, c'est que la Chine va devoir repenser son modèle qui était basé sur les investissements et sur les exportations. Alors voici sur ce graphique l'évolution à la fois des investissements et du secteur de la consommation en Chine. Alors évidemment, le secteur de la consommation n'a pas été favorisé puisque l'économie chinoise a plutôt favorisé les investissements dans les machines, dans les entreprises, dans l'immobilier pour pouvoir aller exporter des produits dans le reste du monde. Donc on a une économie chinoise qui était basée sur les investissements et l'exportation. Mais il est probable aujourd'hui, comme cela s'est passé au Japon, comme cela s'est passé en Corée précédemment, ces courbes vont devoir s'inverser et que la Chine, dans sa réorientation future, va devoir stimuler sa consommation parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus se reposer sur les investissements. Alors ça va avoir des conséquences, évidemment. Ceux qui ont profité de la Chine des 10 ou 20 dernières années vont un peu plus souffrir. Et les grands perdants, probablement, ce seront les grands pays producteurs de matières premières, comme l'Australie et le Brésil. Puisque quand vous avez un pays qui repose sur la demande d'investissement, ce pays a besoin d'importer des matières premières traditionnelles. Et les pays qui exportaient étaient le Brésil et l'Australie. Donc dorénavant, ces pays auront beaucoup moins d'effets de levier sur la Chine et peut-être que l'Allemagne et les États-Unis réussiront à se réimplanter en Chine en fournissant des machines un peu plus sophistiquées, voire à fournir des produits de consommation. Mais là, bien se rendre compte qu'on a un gros point d'interrogation. Est-ce que les Chinois consommateurs consommeront des produits indiens, pas chers, de mauvaise qualité, ou est-ce qu'ils consommeront des produits allemands, chers et de bonne qualité? Je crois qu'on a encore un sacré doute là-dessus. Mais la réorientation de l'économie chinoise est inscrite pour les prochaines années. Alors, s'il y a un continent qui se porte assez bien, c'est pour ça que je voulais le mentionner, c'est assez étonnant et souvent oublié, c'est une partie de l'Afrique. Le reste du monde est submergé par un endettement public et il n'y a pas de croissance économique. Alors, juste deux graphiques pour montrer que c'est le contraire dans l'Afrique qu'on appelle subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique qui est comprise entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. D'abord, la croissance économique. En orange, donc la croissance économique moyenne de cette zone, maintenant depuis plus de 10 ans, cette croissance économique est deux fois supérieure à celle qu'on observe aux États-Unis, en Europe, évidemment. Donc on a une zone qui a de la croissance, qui génère de la croissance. Ce ne sont pas que des exportations. Il y a un secteur bancaire solide qui s'est implanté en Afrique. Il y a des consommateurs qui se mettent à consommer, évidemment avec des moyens des pouvoirs d'achat limités, mais qui consomment. Et puis, la chose la plus surprenante, peut-être, c'est l'endettement public. On retrouve les courbes d'endettement public des États-Unis et de l'Europe. Et puis, évidemment, ces courbes d'endettement de l'Afrique subsaharienne qui sont proches du niveau suisse, puisqu'aujourd'hui, on a un endettement public en Suisse qui est autour de 30-35%. Alors, c'est clair que ça ne s'est pas fait tout à fait naturellement. C'est peut-être ce qui attend l'Europe, d'ailleurs, puisque si l'Afrique est dans cette bonne situation aujourd'hui, c'est parce que dans le début des années 2000, on a décidé d'annuler, en fait, la dette de ces pays, ce qui leur a donné ce ballon d'oxygène pour rebondir et générer de la croissance économique. Ce sont donc peut-être les idées qui vont se mettre en place à un moment donné pour abandonner quelques créances sur ces pays européens et les laisser redémarrer. Et puis enfin, en termes économiques, la Suisse, on doit aussi faire un petit mot. Alors, la Suisse, on est au centre du monde et au centre de l'Europe. Évidemment, quand ça va mal autour de nous, ça ne peut pas aller très très bien. Et la Suisse observe en ce moment ce qu'on appelle une chute de tension. Alors, elle se manifeste par la croissance qui se réduit. Vous voyez ici la croissance économique suisse, la courbe noire, qui est proche de zéro aujourd'hui. Évidemment, quand la croissance européenne est en panne, quand la croissance américaine est en panne, quand la croissance asiatique est en panne, on a de la peine à exporter. Donc ça, c'est plus difficile d'exporter. Puis nos consommateurs helvétiques commencent aussi à avoir des doutes sur le modèle suisse, sur la stabilité du système bancaire, sur les emplois qui vont se supprimer dans le secteur. Donc tout ça mine le moral d'un peu tout le monde et fait que la croissance reste morose. Meilleure qu'ailleurs dans le monde en termes de santé, mais morose. Et puis surtout, cette courbe orange, qui est un indicateur un petit peu avancé, qui préfigure aussi de la croissance économique, montre que ça ne va pas s'améliorer dans le trimestre en cours, ni dans les deux prochains trimestres. Donc il faut s'attendre, malheureusement, à une croissance économique suisse de piètre qualité. Alors le deuxième élément qui est intéressant sur la Suisse, c'est le taux d'inflation. On n'a plus d'inflation en Suisse maintenant, depuis quelques années, on est en déflation, parce que la courbe est passée du côté négatif, les prix baissent, on ne s'en rend pas compte, mais les prix baissent en Suisse, si on met de côté l'immobilier, évidemment, voire les assurances, mais le reste, les produits de consommation baissent, les prix d'importation diminuent. Et ça, c'est évidemment la base de la réflexion de la Banque nationale suisse,
qui ne veut pas que le pays s'enfonce dans cette déflation. Puisque quand vous avez une déflation, la réaction normale d'un consommateur, c'est de se dire quand demain les prix seront plus bas, ben j'attends de consommer. Puis demain les prix auront baissé, mais le surlendemain les prix vont peut-être encore baisser, donc j'attends encore 2 jours, et ainsi de suite. Et à la fin, si on entre dans ce cycle infernal de déflation, ben plus personne n'achète parce que tout le monde se dit que demain sera moins cher. Donc la Banque nationale suisse lutte par tous ses moyens, les moyens possibles contre ce phénomène, et c'est pour ça qu'elle a essayé et voulu limiter la valeur du franc suisse contre l'euro. Et c'est pour ça que la politique de la Banque nationale suisse ne changera pas et ne changera jamais tant que cette courbe du taux d'inflation est dans la zone négative. Parce que si elle laisse le franc suisse s'envoler dans cette situation-là, il est clair que les prix vont encore baisser, les produits importés seront encore moins chers et cela renforcera cet effet déflationniste. Alors, la Suisse, elle a quand même réussi une chose intéressante, et je pense qu'il faut s'en souvenir. On a en Suisse une capacité à réorienter nos exportations et à redevenir compétitif et de trouver de nouveaux marchés. Alors d'abord, est-ce que le franc suisse est si pénalisant pour nos exportations? Bien sûr qu'à court terme, une montée du franc suisse est très pénalisante. Mais quand on regarde les choses avec un peu de recul, voici l'évolution des exportations suisses, c'est la courbe, pardon, c'est le franc suisse, la courbe orange, contre l'ensemble des devises, depuis 1974, une monnaie qui n'arrête pas de monter. Et la courbe noire, ce sont les exportations suisses depuis la même époque. Ben, l'un dans l'autre, on voit que malgré cette formidable hausse du franc suisse, on réussit toujours à générer des exportations et à les faire progresser. On a donc quand même, il faut s'en souvenir, une capacité à s'adapter en Suisse, et ça, c'est un bon signal d'espoir. C'est que malgré la difficulté aujourd'hui d'un franc suisse très très fort, nos entreprises s'adaptent et seront capables de continuer d'attaquer de nouveaux marchés. Et on va le voir sur ce graphique. Vous allez voir ici la part des exportations suisses via différentes zones. D'abord, les zones qui ne fonctionnent pas très bien, la France, l'Italie par exemple, on exporte de moins en moins vers ces deux pays, et pour cause, puisqu'ils n'ont plus de croissance, ils n'ont plus envie d'acheter nos produits, et en plus ils sont chers, donc peu d'intérêt. En revanche, les exportateurs suisses se sont tournés vers les émergents et l'Amérique. Et on voit donc que grâce à ce changement et cette adaptation des exportateurs, on réussit malgré tout à générer des exportations, ce qui permet de maintenir une certaine qualité dans la croissance économique suisse. Et puis, j'ai pas résisté à vous montrer quelque chose, parce que c'est vrai qu'à force de taper sur la Suisse jour après jour en disant que finalement la crise économique est due à la Suisse, c'est presque ce qu'on entend dans le monde entier aujourd'hui, rappelez que la Suisse, c'est aussi un moteur pour les pays européens. Ça paraît surprenant, c'est un peu biaisé évidemment comme je vous le montre, mais c'est quand même assez surprenant. Vous voyez ici différents bâtons, chaque pays avec différents pays. Chaque bâton représente les exportations vers la Suisse exprimées en pourcentage du total des exportations de ce pays. Par exemple, les exportations françaises vers la Suisse représentent 8% du total des exportations françaises. L'Allemagne, c'est 10%, l'Italie, c'est 12%. Donc c'est un poids intéressant quand même, plus de 10%, c'est un marché intéressant. Je l'ai comparé avec les mêmes exportations de ces pays, non pas vers la Suisse, mais vers les pays émergents. Vous savez, cette zone qui a une bonne croissance, qui va diriger le monde, etc. Ce sont les points rouges. Vous voyez que finalement, le marché suisse est souvent aussi important pour la France, l'Allemagne ou l'Italie que ne sont les pays émergents. Donc on est un tout petit pays, mais en termes de marché d'exportation pour l'Europe, on est vraiment important. Et ce serait un peu stupide, je pense, de la part de l'Europe d'essayer de taper un tout petit peu trop fort sur la Suisse, parce que ça signifierait qu'on n'achèterait plus de produits européens également. Voilà, donc on a fait un grand tour d'horizon sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans différents points du monde. On va essayer de résumer tout ça. D'abord, effectivement, se rappeler que, comme je l'ai dit au début, les risques systémiques d'effondrement de la zone européenne se sont nettement abaissés grâce à sa progresse, oui, le Fonds monétaire européen, le MES, la Banque centrale européenne et ses pactes budgétaires qui vont s'appliquer pour éviter les déficits. Oui, les banques centrales sont là aujourd'hui, toutes ensemble et toutes présentes, et elles nous offrent du temps, en tout cas elles offrent du temps aux États en maintenant les taux le plus bas possible, ce qui permet d'abaisser ces charges financières. Mais le désendettement public doit continuer, on l'a vu, il faut continuer ces politiques d'austérité, et ça, évidemment, c'est synonyme d'une croissance mondiale faible, en tout cas pas du tout à la hauteur des années 80 et des années 90, et pas d'inflation non plus l'année prochaine. Un désendettement signifie que les choses progressent faiblement, il n'y aura pas d'inflation. La Chine, on en a parlé, va changer son modèle et ça aura un impact sur les flux commerciaux dans le monde. Et puis finalement, en termes d'investissement, oui, ces banques centrales nous encouragent à prendre des risques, puisque quand les taux sont à zéro, vous n'avez pas envie de placer votre argent à 0% d'intérêt, donc cela modifie le comportement. Alors je me suis dit plutôt de nouveau que de faire de grands discours, comment on résume tout ça en termes de politique d'investissement? Alors je vous ai trouvé une formule.
Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, les choses sont assez simples. C'est un peu une blague, évidemment, mais je pense que ça résume bien. L'idée ici est de dire, finalement, nous avons, on va essayer d'extraire la racine carrée de M. Greenspan, qui avait une politique monétaire extrêmement agressive, qui a stimulé la bourse américaine, l'économie américaine. On la multiplie par cette politique monétaire de M. Bernanke, qui a vécu les années 30 dans les livres et qui sait très bien ce qu'il faut faire pour ne pas retomber dans une dépression. On l'élève au cube parce qu'il est vraiment très agressif. On a Q1, Q2, Q3, on pourrait mettre Q4 peut-être. Tout ça, c'est bien, c'est favorable aux actifs, mais il faut le diviser par quelque chose qui ne marche pas très bien. Et D, bah oui, c'est le désendettement, qui veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Puis il faut aussi le multiplier par un élément qu'on ne contrôle pas, qui est le politique. Puisqu'évidemment, on l'a vu maintenant depuis 2 ans, quand le politique se mêle du désendettement, eh ben, ça chahute un tout petit peu les événements, et on a de la peine à contrôler la croissance économique. Alors, je ne vais pas vous laisser sur cette formule, on va quand même montrer quelques éléments. Alors, les banques centrales, hein, donc je vous ai dit, les banques centrales américaines en particulier, ont créé Q1, Q2, Q3, c'est ces fameuses périodes où on met de l'argent, on achète des obligations, ce qu'on appelle de l'expansion de banques centrales. Voilà, il y en a eu 3, il y en a peut-être un 4e l'année prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés européens et marchés américains pendant ces périodes-là? Ben voilà, c'est plutôt favorable, c'est clair. C'est évident que quand on fait baisser les taux d'intérêt puis qu'on encourage le crédit, ben c'est plutôt favorable au marché actions. Donc là, on a un élément de soutien. Hein. Tant qu'on a ces rectangles qui restent valables, puis si on en a un 4e l'année prochaine, ben oui, c'est bien, c'est positif pour les marchés actions. Deuxième élément, c'est quand maintenant les taux d'intérêt très très bas, ben ça rend les actions très intéressantes parce qu'elles distribuent des dividendes. Alors, ce graphique vous montre quoi? Essentiellement, que ce soit sur l'Europe ou les États-Unis, quand la courbe, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, descend en dessous de zéro, ça veut dire qu'on a des rendements de dividendes qui sont supérieurs aux rendements qu'on obtient sur les obligations des mêmes entreprises. Donc quand on se dit j'ai plus de rendement sur une action que sur une obligation, et nettement plus, hein, on a 1% de différence en moyenne, ben, ça vaut la peine d'acheter des actions. Donc oui, les banques centrales nous encouragent à acheter des actions parce qu'il n'y a pas d'alternative dans les rendements. Mais il y a quand même un problème. La bourse américaine, elle a quand même déjà bien anticipé tous ces éléments-là. Et que si on n'a pas un QE4 qui arrive, ben ça va être difficile, ben ça me paraît quasiment impossible de progresser, et peut-être même que ça pourrait provoquer une correction. Parce qu'on le voit sur ce graphique, l'évaluation de la bourse américaine, c'est la courbe bleue, est nettement plus chère que celle qu'on trouve en Europe, et puis surtout, elle est quasiment au niveau de 2007-2008, qui était un niveau plutôt élevé. Donc le potentiel de la bourse américaine, il est limité pour ces éléments-là, évaluation très élevée, faible croissance des bénéfices qui va venir, et l'Europe, en revanche, pas beaucoup de croissance non plus, mais en termes de risque, une situation intéressante, l'évaluation est plutôt bon marché, surtout quand on regarde l'Italie qui est tout en bas de ce classement. Alors, ne pas oublier non plus, on en parlait au début de la Chine et du Japon, ce qui est intéressant sur ces deux pays, mais ne nous précipitons pas, les évaluations de ces deux pays sont elles aussi très basses. La Chine n'a jamais été si bon marché aujourd'hui, et pour cause, hein, la bourse n'a fait que baisser depuis 2 ans, et puis la croissance a ralenti. Mais il suffirait que la Chine réussisse, après ce congrès du Parti communiste qui arrive début novembre, à redéfinir une politique économique, que les investisseurs aient confiance dans une nouvelle politique, ben oui, ça stimulerait ces évaluations parce qu'elles sont trop basses par rapport à une reprise économique chinoise. Puis le Japon, difficile d'être positif, mais c'est vrai que ces titres sont très bon marché et que si par chance, la Banque du Japon se décidait à copier la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne, quand on a des actions si bon marché, ça aura un effet immédiat vers le haut sur cette bourse japonaise. Donc deux éléments à garder en tête pour l'année prochaine. Ça peut se produire, ça peut ne pas se produire, mais c'est très bon marché. Et si l'événement se produit, ça aura un effet très positif à la hausse sur ces deux marchés. Matière première, bah de nouveau, ces politiques des banques centrales sont plutôt positives. À gauche, matière première, à droite, le prix de l'or, les mêmes périodes. Et là aussi, bah évidemment, un soutien important, parce que quand les taux d'intérêt tombent à zéro, bah vous achetez de l'or qui ne rémunère rien. Donc c'est une bonne alternative. Et l'or, en particulier, bah, tout le monde a compris maintenant, mais il n'y a pas de raison que ça change non plus, que c'est une devise alternative, comme on dit. Alors, pour illustrer ça, je vais vous montrer l'évolution du cours de l'or depuis 2000, en base 100, dans différentes monnaies. Alors, on commence avec le franc suisse, ensuite le yen, on enchaîne avec l'euro, le dollar, et puis le sterling. Mais quelle que soit la monnaie dans laquelle vous avez acheté votre or, en fait, vous avez gagné de l'argent. Donc c'est bien la confirmation que l'or est une devise qui a progressé contre toutes les devises. Et c'est ce qui motive en fait le marché de l'or aujourd'hui et qui va continuer de le motiver si effectivement nous avons ce combat de chef entre la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne,
cette espèce de quantification, comme on dit, de la monnaie, cette volonté de faire grandir les bilans, bah, il y a des doutes sur la stabilité monétaire. Et comme bah, l'or n'est pas manipulé par une banque centrale, les gens achètent de l'or. Et c'est probablement pour ça que le cours de l'or devrait encore bien se tenir dans ce type d'environnement. Alors, conclusion un peu plus précise pour revenir. À très court terme, oui, une certaine prudence parce que les marchés sont beaucoup montés. On l'a vu au début, progression importante, 15-20% sur les marchés boursiers en une année, c'est fort, très important. Il y a un enthousiasme de la part des investisseurs, mais surtout, ben, on a quand même les incertitudes politiques de fin d'année chinoises et américaines qui sont là, et je ne me précipiterai pas sur ces marchés aujourd'hui. Mais si tout va bien, on aura peut-être une correction sur ces marchés, en tout cas un environnement 2013 qui est plutôt porteur pour les actions. Et dans ce cadre-là, on continuera de sélectionner celles qui sont les meilleurs marchés, puisque ça signifie qu'il y a moins de risques. C'est l'Europe, comme on l'a vu, les pays émergents et l'Asie, qui est la Chine en particulier, qui est très bon marché. L'Afrique, très intéressante, je la mentionne, malheureusement, les outils manquent aujourd'hui. C'est très difficile de trouver un bon outil pour investir dans ces zones. Mais c'est une thématique qu'on va continuer de creuser. La consommation dans les pays émergents, bah, évidemment que le modèle chinois va s'exporter cette fois-ci et que d'autres pays émergents vont stimuler leur consommation. L'or reste un actif intéressant pour nous dans cet environnement. Et puis les deux points suivants, oui, l'immobilier américain, on a vu ce graphique qui montre que l'immobilier est en reprise. Et puis surtout, la question qui est intéressante, c'est en Allemagne. Vous avez un pays aujourd'hui qui profite de taux d'intérêt anormalement bas, mené par la Banque Centrale Européenne, avec une monnaie qui est somme doute assez bon marché, une croissance qui reste raisonnable, des revenus qui restent corrects pour les citoyens allemands, un taux d'épargne très élevé. Et dans cet environnement-là, normalement, vous achetez de l'immobilier. Donc, il est probable que l'immobilier allemand continue de progresser en 2013. Et puis finalement, si on cherche à avoir du revenu plutôt que de prendre du risque, oui, on préfère les obligations dites corporate, donc émises par des entreprises et non pas par des États. Et oui, on aime bien les obligations italiennes parce qu'il y a aujourd'hui cet environnement qui va éviter à l'Italie de tomber en faillite. Voilà, donc voici les conclusions d'investissement. À garder en tête quand même encore deux choses qu'on ne maîtrise pas. Évidemment, la première, ce sont les explosions sociales qui peuvent, dans cet environnement, survenir à n'importe quel moment et changer le pouvoir politique et donc changer les politiques économiques. Et le deuxième point, c'est évidemment un retour de crainte inflationniste plus tôt que prévu, peu probable, mais c'est vrai que si l'inflation devait réapparaître dans la tête des investisseurs, les banques centrales devraient changer leur politique monétaire. Et comme on l'a vu, ces politiques monétaires sont favorables aux actions. Donc une inversion de ces politiques monétaires sera évidemment défavorable au marché des actions. Donc deux signaux d'alerte à garder en tête, mais globalement, à part le court terme, un environnement plutôt porteur pour les actifs dits à risque. Voilà, j'ai fini le tour d'horizon de ma présentation. Peut-être un peu long. En tout cas, de toute façon, avec Grégoire, on reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci de votre attention. Très bénéficiaire ou très terre selon la tournure des événements. Et est-ce que vous avez connaissance de moyens de protection qui auraient été pris ou mis en place entre les différentes banques nationales pour éviter que la Suisse subisse des pertes colossales en euros? Alors, sur d'éventuelles solidarités entre banques centrales pour éviter que la Suisse ne perde de l'argent, je ne pense pas qu'il y en a. Au contraire. Mais non, personne n'a intérêt à ce que la Banque nationale suisse ne perde.